A Musical Story, par Glitchies, petit studio français, composé de 4 personnes, qui a fait pour l'instant un jeu, ce jeu. Nominé au Pégase 2023, dans la catégorie meilleur premier jeu. Et dans la catégorie meilleur jeu mobile, je crois. La deuxième, je suis pas sûr. Jouer les notes de gauche avec... Ah oui, d'accord, c'est pas à la souris, d'accord. Jouer les notes de gauche et les notes de droite avec ça, d'accord. J'étais un peu off-beat, je crois. Maintenant, écoutez une nouvelle fois. Je crois que je suis pas en rythme, c'est terrible. C'est terrible, je suis pas en rythme, parfait. C'est parti. Déjà l'intro est... assez ouf. Je crois que la petite étoile en haut à droite, ça veut dire que j'ai eu un parfait. Sans vouloir me la péter, hein. C'est le premier niveau du jeu, je suis déjà en train de gamer. Grosse bande son en vrai. Tiens, tiens, tiens. Salut Colline, comment tu vas? Je connais ça. En vrai, cette intro, elle est forte, je trouve. Le coup d'amener ça avec le Gus dans le coma. Oh là. Ok. Je me laisse pas avoir. Je me laisse pas distraire. Faut que je regarde l'histoire quand même. Fallait maintenir. Dommage. Petit leitmotiv. J'arrive pas encore à savoir si c'est le leitmotiv du groupe ou si c'est son leitmotiv à lui. Ça, je peux te dire. Non, mais il faut pas spoiler. Il faut pas spoiler. La dev du jeu qui vient vous spoil en direct. Oh là. Ah, c'est une pub. C'est une pub. Ah, les petits vibrato là. Alors, s'il y en a que ça intéresse, sachez que la BO est disponible sur Spotify. Ah, c'est son leitmotiv à lui. Motivé à lui, c'est sûr. Et voilà! C'est marrant, il a l'air vieux sur cette... sur cette ilu. Si on a que ça intéresse également, le jeu est disponible sur Switch, Steam,
GOG. Il doit être dispo sur les autres consoles aussi, j'imagine. Pour moins de 15 balles. Je crois que sur GOG, j'en ai eu pour 12,99€. D'ailleurs, il faudra qu'on m'explique parce que je ne suis pas renseigné, mais je croyais que... Oh putain. Oh l'enfer. Je me suis pas renseigné, mais je croyais que GOG, c'était DRM free, mais ils ont foutu leur GOG Galaxy machin. Là, du coup, on peut plus télécharger les jeux en direct. Faut pas se laisser concentrer. D'accord, ça reste DRM free, mais avec Galaxy, ok. C'est lui gamin ? Non, c'est, il est pas gamin là. C'était trop marrant, on aurait dit qu'il était tout petit dans son canapé. Ah mais c'est un joint, d'accord, ok. Pardon, excuse-moi, j'ai cru que c'était des clopes, mais non, c'est... La forme est sans équivoque. Oh putain. Attends, mais ça reste des RM free, oui, mais que se passe-t-il le jour où... GOG Galaxy est plus là, cigarette du bonheur. Certes, c'est DRM free, on pourra le lancer sans, mais voilà. Oh la grosse ambiance. Pinewood, play with the best. Merde. Il va être dur celui-là. Merde. Je l'avais dit. Je sentais que ça allait m'embrouiller là. Et ils sont généreux hein, sur le rythme. Je suis vraiment nul à chier. Tu peux toujours le DL par le site web de GOG normalement. Ah ouais ? D'accord, ok. Pas tant que ça pour la générosité, tu verras plus tard. Oh là là, il va y avoir une dinguerie là. Ok, ça se fait la promesse d'aller à Pinewood. Et de play with the best. Et du coup, Colin, bon, la question peut attendre peut-être pour plus tard ou est peut-être trop indiscrète aussi, mais du coup, tu bosses encore avec, avec Glitches ? Ou not at all ? Oui et non, ok, d'accord. Bon, c'est pour ça que tu vois, je la question, je me dis, peut toujours être indiscrète, tu vois, quand il y a un certain temps qui est passé depuis un truc, bref. Bon. Classique. Qu'est-ce que c'est ? Soit ils ont lancé un projet sans moi car j'étais sur la fin de prod de Musical Story. Sur la fin de prod ?
Ah non, c'est le leitmotiv du groupe en fait. Je suis précipité. Je comprends pas bien le... Oh, ça c'est bon ça. C'est un projet sur moi quand j'étais sur la fin de prod. Ça veut pas dire que j'étais, que j'aurais pas de projet avec eux. Ça veut dire quoi fin de prod? Ça veut dire que tu t'occupais de finir de développer le jeu pendant que eux ils partaient sur un autre projet et du coup ils sont juste partis sans toi? C'est bizarre comme concept. Ou c'est peut-être courant hein, dans le jeu vidéo, tu me diras. Non non. Oui parce que j'imagine que parmi vous étiez 4 sur le studio. Chapitre 6. Hein? Ah, on peut refaire ce qu'on n'a pas perfect. Attends, j'en ai raté tant que ça? Mais non. J'en ai pas raté tant que ça, arrêtez. J'en ai pas raté... 3, si j'en ai raté 3. Ok. Enfin, raté. Raté. Ah, de temps en temps, on va avoir un petit arrêt pour voir la roadmap. Ah, donc ça y est. Ils ont rassemblé leur cash, ils ont retapé une caisse. Oh bébé! Salut Einstein, comment tu vas? Merde. Excusez-moi. C'est dur parce que c'est ce temps. C'est dur parce que le reste de la phrase saute. J'ai chaud bordel. Ah ouais. Ta petite épime. Oh là. Faut se concentrer. Ok. Généreux là. J'ai été nul. On l'a vu hein. On l'a vu la petite fraude là. Si vous faites un clip, vous passez un ralenti, vous la voyez la fraude. Je vais écouter la BO du jeu demain au taf, c'est certain. Ah bah, pour le coup, hein. Il y a un peu du blues dans cette BO, non? Niveau inspi. Ça fait très... Je sais que c'est pas deux courants qui vont ensemble, mais rock blues. J'ai raté les touches. Enfin, j'ai fait une touche de trop. Ouais, elle va être dure à passer celle-là. Ah
Oh là là! Ok. Comment ça s'appelle ce truc déjà? J'avais le nom de cet instrument à l'époque. Mélodica, merci. Ok. Est-ce qu'il va lui arriver des dingueries à... Average musician. Non mais putain. Regarde le noir là en mode. Ouais ouais, moi c'est pareil tous les jours hein. Tous les jours un petit morceau, un petit arpé là, hop là, ça repart. Eh. Je sais de quoi je parle, c'est bon. Très généreux là. Attendez. Ok. Mais bah oui, t'arrêtes pas, il faut que je recommence tant que t'as pas. Putain. Je vais y arriver, je vais y arriver. Secours. C'est très humiliant. Mais vas-y, j'ai acheté trop tôt. Ah, c'est très dur là. Mais attendez, deux secondes. Parce que c'est pas bien, faut que je désactive le système dead. Voilà, système dead off. Parce que en fait, la petite lumière me distrait. Ok, je vais y arriver. Pas assez. J'attends trop. Il est dur celui-là. Putain, il est court au niveau du... Il est dur ce niveau. C'est la tienne. Vas-y, j'en ai marre, je l'ai fait trop tôt cette fois-ci. Il est dur celui-là. Il est dur. Je l'ai eu.
Oh, l'ouverture du morceau, quoi. Putain, mais j'ai du mal, il y a un truc. Ça, la mesure commence avant le temps ou... Mais vas-y! J'étais dessus là! Il est dur ce morceau. C'est bon. Putain, j'ai failli me rater. Non! Exact, tiens, tout à fait. A musical story. Le problème de ce niveau, c'est synthé. Si tu as pipi au moment où tu entends, t'es plus dans les temps. Et oui, parce que le synthé démarre après, c'est ça. C'est ça. Tout à fait. Oui, forcément. Oh! Vas-y, je l'ai pas tenu. Mais je l'ai faite là. Aïe 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 aïe. Ça joue, fait je souris exactement. Mais. Mais là, je l'ai fait, là. On va y arriver. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les corbeaux, c'est des oiseaux de malheur? Ça m'a déjà passé. Ah, je crois que j'ai à côté... Ah merde, il y a un mode souris à côté. Oui, je crois, ouais. Je joue flèche. J'ai pas écouté du coup la phase musicale. Ça s'est bien passé. Je crois que c'est cumulable. Ah ouais? Genre tu peux shred à mort comme ça là sur les deux là. Ok, d'accord. Oh là là, ça sent l'accident de la route ça. Ah non, ça va. Ça va, il est raisonnable. Ils sont tellement pas réveillés. Chapitre 9. Ah, tiens, c'est marrant, où sont passés les perfects? Attends, comment ça? Je peux aller directement au chapitre 10? Je comprends pas. Bah non, on va faire celui-là. Ah merde! Attendez, chapitre. Ah, c'est marrant, pourquoi ils m'ont remis dessus alors? Ok. Salut Sorud, comment tu vas? La forme? Ah non, désolé, mais je l'aimais pas trop ce niveau. Il est trop dur. En vrai, il était dur ce niveau. C'est un pic de difficulté qui vous était remonté ou c'est moi qui suis vraiment naze?
C'est un studio, Tienne, qui l'a développé. 4 personnes. Glitches Studio. Ça va. Parfait, qui m'a échappé à ça. Ah Tidali. J'ai été chez le dentiste patin, faut que je change ma façon de laver les dents, sinon je risque de les perdre en moins de 10 ans. Oh merde. Comment ça se fait? Ah, dommage. Ouais. Ah mais ça s'arrête pas. C'est pas toujours en trois phrases du coup. Il y a des petites notes. Ok, c'est bizarre. Dur ça. J'oublie de tenir cette note. J'oublie de tenir. Ok, c'est bon. C'est juste 8 musiques le jeu en fait. Putain, quel connard. Quel connard. J'ai trop tard, t'as dû à un mauvais âge, du coup ça s'accumule jusqu'à se glisser sous la gencive, ce qui peut à peine provoquer un déchaussement de la dent. Ah oui, il y a des gens qui ont ça. Bon, après. Ah, il est amoureux. Après, ça se. L'avantage, c'est que tu l'as détecté, ce Ruth. Du coup, c'est cool. Et au pire, bon, petit dentier, c'est pas grave. On n'avait pas du tout le parfait alors sur ce niveau. Hein. Mais alors, pas du tout. Ah, c'est à son tour. Et il va essayer de lui en mettre plein les yeux. Tu rentreras au club des papis, sale gosse. Tu me dis sale gosse à moi? Alors que je te rappelle que, oh ça va, on n'a pas 30 ans. C'était tellement difficile à vivre ce moment de... Ouais. Regardez. C'est mes réflexes, c'est menu ça. Oh là là.
J'arrive pas à celui-là. Hein. Le jeu est si généreux. Aïe aïe aïe. Tu as tout désactivé en LED. J'ai dit off, ouais. Le Dark Souls du jeu de musique, à la concentration là. En vrai, je pense qu'il y a des inputs qui doivent passer coup-ci avec mon clavier, je pense. Qui a une hauteur de touche un peu. Bref, c'est dans ma tête, je pense. Quel génie. J'étais en train de lire, de rire avec le chat. Le mec y arrive quand même, quel génie. Pff. Oh là là, quelle force. Cette phase était super dure, GG. Tienne. Putain, décidément. Putain. J'ai du mal, hein. Je vais y arriver celui-là. Oh non! Et voilà, j'y arrive maintenant! Pouh! Ah, qu'ils sont beaux! Marrant sa chemise à franges. Oh là! Ah ouais! Ah, ça pécho vite là! Eh, hey, dis donc! La vie de Rockstar, hein! Les deux là, ils se sont vus, c'est en mode. Lui, elle, il est pour moi. Elle est pour moi. Ra! Duo de guitare! Bam! Ah, ça part vite, hein! Bon, après. Et du coup, elle fait la route avec eux ou pas du tout? Et il est triste. Ça, c'est les essuie-glaces. Merde. C'est les essuie-glaces, c'est Coco. Même pas? C'est quoi ce route derrière? C'est parti. Mais non, il est encore là.
C'est quoi ce rhum derrière? J'en peux plus! Ah! Putain, quel enfer, j'arrive pas! Ok! C'est bon! Putain! J'en peux plus de ma vie! Ok, ça groove. C'était pour un kiff, pour pouvoir réécouter la phrase encore une petite fois de plus. J'aime bien ce morceau-là. Mais oui, bien sûr, c'était fait exprès. Attends, je suis pas aussi nul au jeu vidéo, ça va. Ok. Elle est avec eux à Pinewood. Enfin, elle part avec eux à Pinewood. J'aime trop les dessins aussi. Ok. Ah, le jeu nous fait des rappels d'où est-ce qu'on en est, quoi. Bon, prochaine étape, les cocos, on fera une météo si vous avez envie. Juste pour vous prévenir que si vous avez envie de balancer ça dans le chat, je pense que prochaine étape, on peut faire une météo. Oula, il va attaquer Vénère celui-là. Il va être dur. Je vais rater là. Oh! Yeah! Ah! Elle va lui dire arrête. Il va être en mode c'est mort. Ou pas du tout parce que les deux c'est des rockstars. Oh la 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 la.
Salut Ruby. Oh. Dure cette phrase de rythme. Comment tu vas Ruby ce soir? N'hésite pas à mettre ta météo si tu veux dans le chat. Les kilomètres. Ça va. En train de kiffer actuellement. Heureusement qu'ils n'ont pas laissé le compteur derrière parce qu'il aurait tourné longtemps avec moi. Dit-il en first tryant la phrase musicale. Ah, elle est plutôt du type sandwich, elle. Elle a raison. Elle en fout partout, par contre. Ça, c'est dégueulasse. Il y avait un petit bout d'Outer Wilds sur le début de cette phrase, là. Premier accord. On est d'accord ? Merde. Si je le remets... Un des musiciens, sûr qu'il fait le jeu, d'accord. Ah oui, donc c'est vraiment... J'ai vraiment identifié un bon truc. Incroyable. J'ai dit ça au pif, genre il y avait trois notes qui me faisaient rappeler le truc, mais... Le pire, c'est qu'en plus, après, je retendais l'oreille et je réessayais encore de l'entendre et je l'avais plus. Il fait pipi. Ça, c'est un zikos. Quand il pisse, le gars, ça fait de la musique. Donc. Allez, détends-toi. Pense à là. Ok. Ok. Les contretemps, des fois j'ai du mal, hein. Gasoline. Petit arrêt de replein. Ah oui, d'accord. D'accord, la scène. J'avais pas capté ça comme ça. Non mais il y a un délire avec le corbeau, il va lui arriver une... En même temps, on a vu ce qui lui arrivait. No spoil rétroactif, mais on a vu ce qui lui arrivait. On sait juste pas comment ça va se faire. Water. Qu'est-ce que c'est que ce nom de bled? Salut Gerber, comment tu vas? Oh là là, merde. Oh là 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 là.
J'ai raté l'occasion de faire une blague, j'ai les mains pleines de mousse. Ah, quoi? Saligo, elle est parfaite, Saligo. Meilleur bled, Saligo. Oh là là, mon Dieu. Ok. Ça a l'air confit, ouais, c'est confit, ouais. Ok. Oh, les contretemps, j'ai un mal fou avec. Ton loup va être pur que Taiko no Tatsujin, j'imagine. Taiko no Tatsujin, c'est un peu le genre de truc où il faut apprendre par cœur au fur et à mesure, non? Il y a toujours un peu une notion de par cœur dans les jeux de rythme, on est d'accord? Les gros tryharders de jeux de rythme, il y a toujours un peu une notion de par cœur, non? Attention, les triolets, c'est en rythme. Oh, je l'ai raté vraiment. Putain. Ah, il est si dur celui-là. Le synthé. Non. Mon pire ennemi, le synthé. Mais on dirait une gratte quand même ça, plutôt. Avec la masse disto. Ah! J'ai démarré trop tôt. C'est bon pour la santé, putain. Non, mais je commence trop tôt! Ah, bien joué, Gerder. J'avais pas compris la vanne, mais bien joué. Oh, le contretemps! Oh, le contretemps de ouf, là, attendez. Ah! C'était un contretemps avant. Ah, il est si dur ce contretemps. Ah, il est... Ah, non, il se remet pas sur le temps après. Ah, je suis trop tôt là cette fois-ci. Ah, je suis trop tard. Ok, attendez. Ah, il me cringe tellement ce contretemps là. Au secours, du coup je suis trop en avance sur celui-là. Pa pa pa, yeah. Boucherville. Oh putain! Mais il a tout le temps la clope au bec!
La clope, hein, j'ai dit. Hein. Oh là là, bah oui. Oh là, les yeux là. Oh là, il faut faire... Attention, attention, monsieur. Oh là, il va déconner. Oh là. Ah, il va déconner. Bon, il a remarqué un truc, lui, en tout cas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il ou elle a remarqué un truc. J'arrive pas à savoir si c'est un homme ou une femme. Ça a l'air d'être la bonne. Ah bah, il y a les corbeaux tout du long, là, hein. En tout cas, la forme du personnage, du pianiste, enfin du synthéiste, du pianiste, du mélodiquiste. Ah bah oui, forcément, elle est bien jouée. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Ah ! Voilà, généreux là. J'attends trop sur Shirley Bass. Ok. Il avait pourtant dit de s'arrêter au 35ème pétard. Ok. Oh non! Ok. Je vous jure, c'est pas moi qui suis nul en jeu de rythme. Hein. Normalement. Ah. Ok. Faut que j'écoute les phrases. Plutôt que de... Voilà, par contre, celle-là, ça va être horrible. Petit peu de Guéraïm là-dedans? Vous l'entendez ou pas? Écoutez. Vous l'entendez ou pas? Tout le principe de la MS, c'est pas un jeu de réflexe. Ah ouais. Non, non, mais je sais. Mais c'est juste que je suis en mode... je vais réussir à jouer avec le rythme, tu vois. Plutôt que d'écouter vraiment la phrase. Ok. Oums. Mmh.
je me concentre dessus en fait. Là j'étais en mode ouais, je joue avec une main machin. Oh là! J'étais en mode je joue avec une main. Ah. Oula. Oula gars, ça a pas l'air d'être bien là. Il est juste mal en voiture ou... Bon les cocos, est-ce qu'on en profite pour se faire le petit instant météo? Le tout petit instant météo et après on retourne écouter de la bonne. Alors attendez, où est passée ma souris par contre? C'est le jeu qui a ma souris, il l'a en otage je pense. Parce que je fais comme ça et je vois aucune souris. Ouais, ah non, ça met le jeu... Ah non! Non! Je déteste les jeux qui font ça. Alors le jeu c'était un 20 sur 20 pour l'instant, mais là je mets 2 du coup. Ah désolé hein. Ah désolé. Pardon. Alors attendez. Ah c'est le truc qui me... En vrai Osef, parce que le jeu est très bon, tu vois, tu devrais pas faire un alt-tab. Mais c'est, je pense que c'est le truc qui me trigger le plus dans un jeu, c'est quand la musique ne continue pas alors qu'on a le tab. Ah c'est viscéral chez moi, mais en même temps, bon, voilà. Alestène, malheureusement, plané n'est pas passé, désolé. Est-ce que tu veux que je rentre un autre truc? Je sais pas si je vais pouvoir. Plané n'est pas passé. Plané, ville. Je pense que c'est trop petit. La Planée est une commune française située dans le département du Doubs, en région Bourgogne-Franche-Comté. À 13 km de Pontarlier et 70 km de Besançon. Dommage, tant pis, Ouzef. Vas-y, je te mets Besançon. Ou Pontarlier. Attends. Pontarlier. Paf. Non, je pense que c'est pété, du coup. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est encore le... C'est encore le bug de merde que j'ai la flemme de corriger. Ouais, désolé, Alistair, du coup. Je t'enlève son truc. Allez, tous les autres, je valide. Tous les autres, je valide. On se fait une petite météo. C'est Tipa. Et je sais pas pourquoi, mais ça me vire pas la météo. C'est trop bizarre. La météo reste là, sur mon écran. Il faudra que je revoie ce truc, parce que ça va pas. Allez. Ah, je pense que je vais prendre le train pour Saint-Thé. On peut avoir un charme météo. C'est pas prévu. Je sais pas si... Il y a Colline, oui. C'est toi qui lui as envoyé un message ou pas? On en parlera après. Je t'expliquerai, Colline. Alors. Le retour de la mécois. Ah. Du coup, ouais, avoir un char météo. Peut-être les viewers que je peux vous mettre, si vous voulez, une récompense 4 fois plus chère qui vous donne également 2 fois plus de chances d'avoir une météo shiny, si vous avez envie. On peut mettre une météo qui coûterait 1200 points de chaîne au lieu de 300. Et ah bah voilà, tiens, écoute. Écoute, avec le décalage, tu vas te rendre compte. Allez, c'est parti. Franchement, oui. Mais c'est pas bien, c'est vous rendre addict au jeu. Tu crois qu'on a pas assez de points pour ça? Ah bah attends, Sorut. Attends. Les tirages plus chers, bon. Oh là. Oh là, qu'est-ce qui se passe encore? Non mais il joue avec nos sentiments là. Et c'est encore le synthé, hein. J'arrive pas à retenir. J'arrive pas à retenir cette phrase. Oh. Ok, ça rentre. Je suis trop pressé. Il a pas assez. Ah, elle est dure celle-là.
Ok. Ça, je l'ai eu. J'ai lâché mille notes. J'ai vraiment du mal avec cette phrase. Oh putain. Ok. Ah, il avait pas l'air bien sur la banquette arrière. Il avait pas l'air bien sur la banquette, hein. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ça va, ils sont juste embourbés, c'est tranquille. Ils sont juste sortis de la voiture sous la pluie, ils ont juste choisi de pas le montrer lui pour nous foutre le stress. C'est ça ? C'est ça que vous avez fait ? Oh putain. Horrible le contretemps sur la fin là. Regardez ce contretemps là. J'ai failli me faire rater, hein. J'ai failli me faire avoir. Oh, elle se transforme cette musique. Allô? Elle est dégoûtante cette série là. Ah! Je savais que j'allais rater. Ok. Ah, c'est pas une question de clavier-manette, là, c'est une question de mon rythme. Ils sont pas simples, les morceaux que les compositeurs ont choisi de jouer. Tu dis ça parce que je suis nul, Colin, ou...
Ah, pourquoi est-ce que j'ai raté celle-là? Le clavier peut avoir un lag à cause du travertin de la touche. Oui, tout à fait. Non, mais c'est... Je l'ai, je le prends en compte. Mais je fais des erreurs d'inattention. En vrai, ça me gêne pas. C'est plus contre moi que je suis en... Ah! Ok. Alors, quel est le plan? Lui, il reste à l'intérieur pour fumer? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est, ça? Non, mais il est en train de réparer le pneu, là. Attends, quoi? Quoi? Il s'est fait péter la bouche? Qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter là? Je comprends pas! What? Concentre-toi. Concentre-toi. Waouh, j'ai du mal avec cette phrase. Décidément. J'arrivais pas à me... C'est énervé là. Il en coller une là. Ah.
Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est trop défoncé? Putain, elle était anxiogène cette séquence. Et je suis pas sûr que celle-ci me réjouisse plus. Le début un nombre calculé deux fois. Ok. Ah, j'ai vraiment du mal avec... Aïe aïe aïe. Ok. Ouais, là c'est la redescente. Tout seul au bord de la route. Les autres sont partis. Ouais, y a pas d'autre instru mec. J'arrive pas à me concentrer sur les phrases en fait. Je sais pas ce que je fais. Aïe aïe aïe. Ok. On va plutôt être sur un let's play de 2 heures finalement le coco, hein, plutôt qu'une heure et demie. Alors. Oh là là. Oh les contretemps de ouf. C'est si dur. Ok.
C'est marrant qu'ils aient conservé que la couleur violet. Je me demande ce que ça implique en termes de... C'est vraiment le pic, là. Écoute. Est-ce que c'est juste pour coller à la séquence en noir et blanc? Parce que le jaune du corbeau est encore là, hein. Discuter longtemps si tu veux. Je serais intéressé en vrai. Est-ce qu'il y a, c'est genre l'un des effets de la, l'un des effets de la, du sevrage de la drogue ou quoi? Parce qu'on voit, on rétro spoiler, on a vu au début du jeu que bon, ça s'est mal passé pour ce garçon quoi. Donc il a gardé son oreille mais il a perdu la vision des couleurs. Parce que le jaune est toujours représenté sur le corbeau. Aïe 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 aïe, j'étais presque. Ok ok ok, bien sûr. Bien sûr bien sûr bien sûr, pas de spoil. J'ai du mal avec cette phrase, avec cette suite là. Ces quatre notes là, de gauche, j'ai du mal. Je tiens trop. Qui l'a fait. Le plus gros prrr est derrière. C'est pas moi. Je jure, c'est pas moi. Ah, ça s'est calmé. Ça, vous êtes prêts? Je vais le rater là. Je suis allé trop tôt. Je le savais. Ok, j'attends. Salut Eldrin. Comment tu vas? Tu as la démonstration d'Aldrin de pourquoi est-ce que c'était moi qui étais au chant et pas au marimba. Ah mais j'étais... Du coup j'étais en... Du coup je suis concentré sur ma réponse. Je me suis concentré sur ma réponse plutôt que, ce que sur ce que j'étais en train de jouer. J'ai du mal avec le tempo de cette deuxième phrase. Pa-da-pa-pa-da. Vous étiez sur quoi, Eldrin? J'ai dû me concentrer de ouf là. Oh, sur Sable. Oh, attends, Sable, c'est pas le jeu avec une DA méga chelou, genre cel-shaded, mais façon un peu BD, genre très,
peut-être. Ah ouais ouais. Il paraît qu'il est bien celui-là. Il paraît qu'il est bien celui-là. Ok. Putain mais ce piaf toujours plus gros. Petit leitmotiv du groupe. Oh là. Elle va se retourner pour l'aider. Ah non, elle l'a attendu. Elle l'a attendu. Bah t'as déconné mec hein. Ouais. Là elle va t'en coller une là. Elle va t'en coller une là. Ouais, c'est le retour. Oh putain. Oh. Et ouh, j'ai failli l'avoir, je vais le rater. Merde. Oh là 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 là. Ok. Ok, ok. Ok. J'arrive pas, c'est de nos au milieu là. J'arrive pas à retenir. Non, il faut retenir la mélodie. Moi je l'ai, t'as vu. Comment ça tu l'as, t'as vu? Quoi, il se la pète, Aldruin. Oh là là. Ah ouais, il est fracassé la tête avec ses guitares. C'est comme ça qu'il va finir avec le truc autour du cou. Il y a des aides, pardon, excuse-moi. Non, mais ça me déconcentrait. Ça me déconcentrait. Ah, mais elle fait un battle avec le corbeau. Elle fait un battle avec le corbeau.
fais n'importe quoi. Allez, concentre-toi. En fait, je sais pas, Colin, mais le petit truc blanc... Alors, c'était peut-être avec le synthé, tu me diras, mais ça me déconcentrait. Genre, j'arrive pas à me focus dessus. Et on va y arriver. Je me laisse endormir. Je l'avais là! Pas très d'accord. Ok. Ah mais c'est une nuée, j'avais pas vu, je sais pas pourquoi je croyais que c'était genre de la neige ou je sais pas quoi, enfin... N'importe quoi. Quoi? Oh putain cette phrase. Quoi? Mais les... ça va le... la polyrythmie là? OKLM? OKLM la polyrythmie? Attendez, je me concentre là. Oh, ça va, non mais...
Disons que tous les jeux de rythme ne se permettent pas de mettre de la polyrythmie, quoi. Ah ouais, moi ça me fait kiffer. Je trouve ça trop bien. Mais pour le coup, c'est difficile, je trouve. Il y a que deux touches. Ouais. Ça va. Eh, c'est un jeu facile, il y a que deux touches. Franchement. Eh, ça va, Donkey Konga, c'est tranquille. Rouge, jaune, violet, bleu là, ça va à un moment, c'est bon. Guitar Hero, c'est beaucoup plus dur hein. Allez, concentre-toi. Mais putain! Il arrive trop tôt l'autre. Ah, c'est les corbeaux, c'est la nuée, c'est le désordre. Elle va le soigner avec le pouvoir de la musique? Oh là là, non mais et les changements de rythme comme ça là, vous allez me tuer, oui. Ça va, celui-là, c'était facile. Putain, il est horrible ce personnage du corbeau en vrai. Et je comprends pas, elle essaye plusieurs morceaux. Ça c'était facile, c'est un boss du jeu, je me doute. Ça va, là c'était le leitmotiv, c'était tranquille. Le premier est sur un accord, il est sur un temps, hein. Pas se planter. Ok. Ok. Let's go. Je sais pas comment j'ai fait, je me suis mal au petit doigt. Qu'est-ce que je fais? Mais quoi, alors il lui a fait une désintox? Hein? Ah mais ils vont plus du tout à Pinewood! Ah bah oui, tu m'étonnes après la connerie qu'il a fait. Ils vont plus du tout à Pinewood! Ah ils vont plus du tout à Pinewood! Ah il a déconné sévère! Ah oh, les viewers, ça va pas être 2 heures hein, le let's play là. Ah oh, quelle tristesse. Je m'en fous, je vais au bout. Enjoy, comment ça?
Comment ça, enjoy? Pourquoi c'est bleu maintenant? C'est juste pour coller à l'ambiance? Il y a un truc avec avec les couleurs des touches là qui changent sur ces derniers niveaux. Bleu, c'est quoi? C'est la solitude? Des haricots rouges en plus! Ça va, c'est bon les haricots rouges. Je m'endors. Je m'endors sur ma partition. Celle-là, je vais pas les avoir, je pense. Je les ai eues. Bah, t'as déconné, mec. Attends, quoi? Ça collait pas, là, les notes, là? Je suis pas d'accord. Si. Ouf. Ah, ça de raté. Ah, ils sont restés ensemble finalement. C'est qui la personne à droite? Ah non, oui, voilà. Eh oui. C'est qui la personne à droite? Eh oui. Il est pas resté, non? Tu les gardes dans ton cœur, mais il est pas resté. Ils sont partis, y'a pas une route sans toi. C'est qui la personne aux cheveux à droite là, aux cheveux raides? C'est pas sa copine quand même?
C'est Amélia. Ça va être pas du tout. Amélia, c'est l'antac... Attends. Oh là. Forcément, j'ai raté. Ah mais pas du tout. Si. C'est quoi cet épi de cheveux de ouf là? Mais c'est qui cette meuf? Genre ils sont juste paumés au milieu des bois quoi. Genre ils l'ont vraiment laissé là en fait. Trop tôt. Ok. Que nouveau cet immeuble de Bob Ross, Jarder. Ah, c'est de ça que ça parlait, retrouver sa mémoire au travers de la musique. Le regret. Oui, il est plus 18, oui. Ça va être le sesque. Est-ce que je me suis vraiment rajouté beaucoup de difficultés en jouant sans LED? J'ai du mal à me rendre compte. Ah mais c'est pas la même nana. Mais quoi, ça veut dire qu'ils l'ont abandonnée à côté d'un camp de hippies ou elle était juste là et grosse chance.
J'allais dire grosse chatte par abus de langage, mais... Ils sont tout nus, donc c'est pas approprié. Décidément, concentre-toi. C'est bien la même nana, ouais? Concentre-toi, concentre-toi. Elle est facile cette phrase. Concentre-toi, concentre-toi. Concentre-toi, concentre-toi. Ok. C'est bien la même nana? Putain, c'est marrant, je l'avais vraiment enregistré comme. Typé afro, quoi. Et pas du tout. Bon, c'est la lumière, hein, j'imagine. Hein. Donc elle est bel et bien restée avec lui, en fait. Mais je sais pas pourquoi je l'avais enregistré. Peau sombre, cheveux crépus. Ouais, du coup, la chaîne n'était pas plus 18 jusqu'à il y a un ou deux mois sur Splatoon. Et en fait, je sais plus de quoi on parlait, mais bref, ça parlait de la mythologie grecque et comme quoi, bon, ça se prenait par les fesses comme il faut, quoi. Et j'ai eu une personne sur le vocal qui a été choquée et qui est en mode quoi, mais c'est dégueulasse. Je suis en mode, mais comment ça, c'est dégueulasse, enfin, non. Les gens font bien ce qu'ils veulent, quoi. Et je suis en mode, ah, attends. Il y a du vache de Chihiro là-dedans. Pas du tout. Donc oui, la chaîne est en plus 18 désormais. Puis de toute façon, si vous êtes, si vous avez moins de 18 ans, il est 23h, allez hop, au lit. Il y a école demain. Ah oui, voilà. Bon, petite thérapie de coupe dans les bois, très bien. Ça va être horrible ça. Vous mettez du contre-temps tout du long. Et là, celui-là, il est sur le temps. Thank you.
Il faut que je me concentre. Il y a un quart de temps. Il y a un quart de temps de décalage. Oh, la saleté. Bon, c'est déjà mieux que la scène précédente quand même. Ça fait plus plaisir à voir que les corbeaux. Allez, joue à demain. J'arrive pas à voir le début. Ah bon? Plus de peur que de mal quand même, j'ai l'impression, du coup. Enfin, les autres, ils sont pas partis en les laissant à poil là. Sur le temps, les premiers. Ok. Pourquoi est-ce qu'il était énervé en fait? J'ai pas compris, il était complètement défoncé? Genre il a... Oh putain. Il a passé la route à... Je suis allé trop lentement, je suis allé sur le transino.
J'ai failli me replanter. Bonne soirée à toi, Yamou. Attention, tout ça, ça a explosé. Ouais. Superbe jeu en tout cas. Ah, vraiment très beau. Hein. Vraiment sublime. Bonne nuit à toi, Yamou, du coup. De rater cette note finale. J'ai eu très très peur de rater cette note finale. Ah oui, c'est une bonne journée là qu'on est en train de passer là. Bon, mais du coup, c'est obligé, les autres sont encore là. Savoir la suite. Ça va, les autres sont pas partis. Ah, le camion est encore là. Je suis pas la partition aussi en même temps. Ça y est, elle a remis son bandeau, elle est en mode good shit, arrête tes conneries. Putain, mais j'avais pas entendu ce morceau dans la BO sur Spotify. Ok. Mais là, pour l'instant, elle est en train de le reconvaincre lui. Mais les autres, ils sont pas d'accord. Il va se prendre une mandale dès qu'il va arriver. Ah, ils sont tricky ceux-là. Ah, il arrive plus tôt. Ok. Ah non, mais parce qu'ils sont tous les deux en fait. Mais ils sont partis où les autres du coup? Attends, mais les autres ils sont juste partis en laissant le camion? Je comprends pas. Au secours!
Au secours, cette rythme. À pied. D'accord. Mais pourquoi ils ont laissé la bagnole? Ah, parce qu'il y avait une roue crevée, ils n'arrivaient pas à repartir, c'est ça? Putain, ils sont déter, les gars, quand ils font la gueule. Mais eux aussi, ils y vont? Ah non! Merci! Eux aussi, ils y vont à pied! Oh, let's go, les rattrape à pied! Ok. Bisous à toi, Sorut, passe une bonne soirée. Waouh, j'arrive pas à le rentrer celui-là. Merde. Ok. Ah ben voilà, ça y arrive. Mais pourquoi s'ils avaient galéré à changer un pneu? Pas de cric? Bah si, ils en avaient un. Ok. Ils avaient un pneu de rechange. Ils en avaient un. Et il brille. Tellement il est bien qu'il brille. Allez, prends ta carte. Arrête d'être... Arrête la drogue. Prends la carte et roule. C'est parti. Mais les autres se sont barrés avec leur instru. Ah, les petites lunettes de fashionista, là. Let's go. Ok, étape 23. On va les rattraper. Il nous reste quoi? 3 niveaux du coup? Je pense. Bon, désolé, j'ai été un peu trop nul. Du coup, le jeu tient pas en juste 2 heures. Désolé les viewers, je vous retiens. We'll be right back.
Oh, vous allez déconner les potes. Ils sont cru invincibles. Vous allez déconner. C'est ça? Vous étiez en mode let's go? Facile ça. Un animal qui va surgir alors que vous allez trop vite. Tap, tap, tap. En vrai, je fais de la merde parce que ce niveau-là, il est facile. Il est facile. Il serait perfectable. C'est le leitmotiv du groupe qui est repris. Oula. Ça, par contre, c'est chelou, ça. Instantanément Karmated. J'arrive pas à prendre le début de la phrase. Oh non, ils vont pas esquiver un écureuil quand même. Non mais genre un sanglier. Un cerf, je veux bien, mais un écureuil. Ils vont se foutre en l'air pour un écureuil. Je suis pas d'accord. Ah. Le contretemps de ouf. Protect the fluffy boy. Non mais ça suffit. Il y a qu'à regarder à votre traversée. Il change de tête l'écureuil là. Il s'est tapé quel délire encore. Merde. Elle va avoir eu moins de chance, je pense. Faudra que je regarde pourquoi, mais je crois que ma CG est en train de cramer. Vous limitez les FPS, Colin, ou pas? Oh là. C'est plus facile comme ça, hein. Avec OBS, en vrai, c'est lourd. Ok, ok, ok. Plus facile comme ça. Thank you.
Oh non. Je me trompe de sens. J'aurais eu mauvais si je l'avais raté celle-là. Pour toi, public! Oh! Il était plus facile ce niveau! En même temps, je pense que c'est fait exprès, non, du coup? Qu'est-ce que c'est le délire? Serena. Ah oui, il est pas allé à Woodstock du coup. Ah, pas à Woodstock, pardon. Ah, Pinewood. A Musical Story, un jeu créé par Glitchy Studio. Charles Bardin, Maxime Constantinan, Valente, bon, j'ai pas le temps de lire. Game design. Je vais faire attention au prénom que je prononce, excusez-moi. J'ai réagi trop vite. Eh bah stylé. Bon, plus 2h, 2h15 que... C'était fait exprès. De quoi? Donc il y a genre deux fins. Ah non. Genre il y a une fin si tu perfectes le jeu? Mais non. Genre si tu perfectes, ils tombent pas du tout dans la clope, c'est bon? Mais non, c'est une blague. T'es gâté. Ah non. Oh le petit t'es gâté lâché comme ça, t'es en mode. Ouais, t'inquiète. C'est pas grave, c'était nul. C'est pas grave. Ah, attendez. Oups. Oups. Oh, la petite pique. Ah non, voilà. Il faut perfect le chapitre 13. C'est une blague. Il faut perfect le 13. Je veux voir Pinewood, moi. Eh ben écoute, ce sera demain soir, Alistair. Voilà, ce sera demain soir. Non mais les cocos, il faut s'arrêter un moment. Il faut s'arrêter, il faut aller au lit.